Eh bien, salut les petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, non pas sur du gameplay ou autre, mais j'ai été invité par PlayStation pour couvrir un événement. C'est le jeu que pas mal de personnes attendent si vous êtes fan de course et que vous êtes sur PlayStation 4. C'est le prochain Gran Turismo, c'est Gran Turismo Sport. Il est assez tôt, je sais pas il est quelle heure. Et voilà, j'étais invité à Londres pour 2 jours, donc vu qu'il y a une nuit qu'on va passer là-bas, eh bien, je vais en profiter pour faire une petite découverte de chambre d'hôtel qui sera déjà sortie, je pense, alors vous verrez cette vidéo. Il y aura un petit vlog tranquille où il y aura un petit peu de gameplay, il y aura un petit peu de tout et n'importe quoi, un petit peu de bouffe aussi. Je vais essayer de parler de plus en plus durant les vlogs, mais moi, je ne suis pas encore habitué à parler avec du monde. C'est-à-dire, ici, je peux vous faire des vlogs, même à poil, si vous voulez, aucun problème. Mais ce que je veux dire, c'est quand il y a du monde, on est un petit peu plus con d'être comme ça devant une caméra et de dire bonjour, et eh bien aujourd'hui on va faire ça. Voilà, j'ai un petit peu plus de mal. Donc, comme je vous ai dit, il y aura du gameplay, il y aura plein d'autres choses. De toute façon, vous verrez ça durant la vidéo. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, comme ça, si c'est le cas, quand il y a d'autres événements, que ce soit à Paris, dans une autre ville, ou même une rencontre abonnée, ou plein d'autres choses, je pourrais vous les faire partager, parce que c'est toujours cool de faire des petits vlogs. Ça change du gameplay de jeux vidéo. Et puis voilà, vous me direz tout ça, et je vous dis à tout de suite. Numéro 2. Regardez ce pilote, attention.
Un pilote. Bon bien, on va faire le tour des voitures. J'espère que ça vous plaira, on fera ça en vitesse accélérée. Mais si, il y a du lourd. Attention. Là on a fait une petite pause, on est en train de manger, alors je sais pas du tout ce que c'est, il me semble que c'est du poulet, c'est bien ça hein? J'ai l'impression que c'est du poulet, ça ressemble à du poulet, hein. Ça ressemble. Voilà. Il y a des frites aussi. Du poulet avec des épices, avec des frites, avec une sauce, je pense que c'est mayonnaise, avec une petite boisson 7-Up, placement de produit, voilà. Alors attention, la sauce rouge elle est très piquante les amis, hein. C'est une sauce rouge asiatique, pour mes frères asiatiques qui connaissent, c'est la sauce rouge qu'on voit dans les restaurants, hein. Ça pique un petit peu. Je pense qu'un steur elle va douiller.
Vas-y. Mais moi je vous prends pas, moi je. Mange un petit peu, vas-y, vas-y. Pour manger, moi je l'ai pris pour regarder. Non mais mange. Là ça remplit mon ventre, là c'est bon. Dégustation en direct, allez vas-y, Anta. Ok, je mange une frite. Pourquoi? Non, mais mate ça. Sur ma frite, il y a des petits trucs rouges qui brûlent, tu sais. Genre, on dirait qu'elle embrouille. C'est piquant de ouf. Et pourtant, je mangeais pissé, hein. C'est archi piquant, les frères. Franchement, je vais aller aux toilettes, je pense. Remember, ladies and gentlemen, the French claims they don't invent the motor racing. I mean, the English say we invented it, but the French are sure that they don't make it. Yeah, and the Germans say it's good. They don't have it. And we have a lot of people in the US, and we have a lot of different countries. So, and it makes it feel good. Bah les petits loups, je me suis réveillé depuis un petit moment, mais je sais pas si ça vous arrive à vous aussi. Quand vous vous réveillez, vous avez vraiment pas envie de vous lever. Surtout, franchement, ce lit, j'ai jamais eu un lit aussi confortable. Il est moelleux comme il faut, les coussins, franchement, tout est parfait de chez parfait. J'ai jamais eu un lit, vraiment, un lit aussi agréable. C'est vraiment du haut level. Je demanderai à Joss et Hunster leur avis par rapport à ça. J'ai plus de voix aussi, parce que c'est vrai qu'on est dans les events, on parle assez fort, on s'en rend pas compte. Et c'est seulement le lendemain qu'on se dit, ah bah tiens, on a un petit peu mal à la gorge. Du coup, bah, je vais encore faire un petit peu ma feignasse. Et ensuite, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller les rejoindre, parce qu'il y a le petit déjeuner. Et en plus, je sais pas si vous savez, mais en Angleterre, les petits déjeuners, c'est souvent des buffets. Et on mange aussi bien que durant le déjeuner. C'est-à-dire qu'on mange genre du saumon, des œufs, etc., etc. On mange vraiment beaucoup. Je voulais aussi vous montrer, allez, la feignasse, ça s'arrête. Je voulais aussi vous montrer un petit peu la vue, parce que j'ai mis un tweet hier quand il faisait nuit. Mais franchement, la vue, voilà, je sais pas si vous voyez bien, c'est magnifique. Même si bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre au niveau du fleuve et tout. Voilà, c'est franchement la vue. C'est pas mal.
every morning when